Bon matin, il est assez tôt, il est environ 8 heures parce que aujourd'hui, j'essaie d'être une adulte pendant 24 heures. Je sais que le titre peut sembler étrange, mais disons que la vision que j'avais d'une femme de 23 ans quand j'étais un peu plus jeune, ça correspond pas partout au quotidien que j'ai présentement. Puis j'ai juste envie de faire un petit effort, d'avoir une journée productive, de faire des tâches que je repousse habituellement, d'avoir une meilleure hygiène de vie en général. D'ailleurs, je suis super contente de collaborer avec Floréo Sweden pour la vidéo. Donc, je m'en vais m'habiller, puis je vous reviens. Je me suis fait une petite to-do list, chose que je fais jamais, fait que c'est déjà un bon départ pour me motiver. C'est sûr que je vais commencer par ma routine de soins, par un petit maquillage léger. Ensuite, j'ai ben du ménage à faire ici. C'est le bordel partout dans l'appart. Fait que je vais ramasser, passer l'aspirateur, faire la vaisselle. Il y en a en masse de ça aussi. M'entraîner. Je me suis acheté plein de petits matching sets récemment d'ailleurs. Puis j'adore ça. C'est super confortable pour rester à la maison. Mais je me sens vraiment plus cute qu'en pyjama. C'est un step de moins si je veux m'entraîner pendant le jour. Pour ce qui est de mon travail, évidemment, je tourne cette vidéo-ci. J'ai bien des courriels à répondre, des appels à faire, des photos à trier. Puis j'ai aussi une formation Final Cut Pro avec e-Influence. Je suis vraiment excitée pour ça. Puis en soirée, je veux vraiment essayer de m'éloigner des écrans parce que j'ai pris la mauvaise habitude de travailler jusqu'à vraiment, vraiment tard le soir parce que je suis pas efficace dans ce que je fais, tu sais. Mettons que j'ai un contrat à rendre le jeudi matin. Faites sûr qu'il va être rendu jeudi matin, mais comment je me suis rendue là? Peut-être qu'il y a eu de la procrastination, des nuits blanches, des mental breakdowns, c'est pas clair, tu sais. On dirait que je suis habituée de faire du montage du moment que je me réveille le matin jusqu'à ce que je me couche le soir avec mille et une pauses entre les deux parce que je suis pas capable de focusser là-dessus, j'ai de la misère à me concentrer plutôt que d'en faire pendant quelques heures puis d'avoir ma soirée de libre, ce qui serait full plus simple, mais j'ai toujours été de même pour mes travaux d'école et tout, fait que je sais pas, je vais être capable de reprendre le dessus un jour, mais j'aimerais ça. Comme vous le savez peut-être, à cause que j'ai jamais eu de gros problèmes avec ma peau, j'ai longtemps été du genre à négliger ma skincare routine. Mais en vieillissant, je réalise à quel point c'est important. En plus d'être super le fun parce que le UFO2 de Floréo Sweden utilise des technologies de thermothérapie, luminothérapie LED, pulsations Tessoniques, les mêmes traitements qu'on peut retrouver dans les spas, dans les salons, dans le fond. Fait qu'avec ça, on sauve du temps puis de l'argent. Avec le UFO2, vous pouvez prendre vos propres crèmes, vos propres sérums, il n'y a pas de problème. Mais j'aime particulièrement les masques de Floréo parce qu'ils viennent avec une routine personnalisée via leur application. Donc aujourd'hui, je vais prendre le H2 Overdose qui est un hydratant intensif. Je sais pas si c'est le changement de température, mais ma peau est assez sèche ces temps-ci. Puis ça, c'est exactement le boost d'hydratation que j'avais besoin. Pour commencer, c'est super simple, on vient juste enlever la paroi, insérer un masque et connecter notre appareil à l'application Floréo Sweden. Ça commence déjà à se réchauffer, ce qui est probablement ma fonction préférée, ça fait vraiment du bien. Puis ça sert à préparer la peau à bien absorber les avantages du masque. En même temps, il y a des pulsations pour détendre les muscles du visage, ce qui file comme un vrai de vrai massage. Et pour ce qui est des lumières LED, la rouge sert à atténuer les signes de vieillissement de la peau, ce qui est génial parce que je suis une adulte, on se rappelle. Et la verte à illuminer et unifier le teint. C'est pas la première fois que je vous parle du UFO2, ça fait quelques mois que je teste, puis évidemment j'adore ça. Je m'en sers surtout le matin parce que ça me donne le glow naturel parfait pour commencer ma journée ou appliquer un peu de maquillage, ce que je vais faire pour me sentir encore plus cute. Donc je vous laisse le lien du UFO2 de Floréo Sweden dans la barre d'infos. J'ai succombé à la pression des réseaux sociaux puis j'ai acheté un creamer de la marque Daylight dont tout le monde parle. Celui-là c'est vanille française, fait que j'essaye pour la première fois. Ça c'est vraiment bon. J'avais peur de pas en avoir mis assez, mais ça goûte beaucoup. On peut voir derrière moi les résidus de notre repas d'hier. Fait que je m'occupe de ça. Puis ça me fait penser à un TikTok que j'ai vu récemment qui disait comme quoi t'es soit une personne de vaisselle ou de lavage. Puis pour te faciliter la vie, tu dois être avec quelqu'un qui est l'opposé de toi. Puis je pourrais pas être plus d'accord avec cette affirmation-là. Of course que faire de la vaisselle, c'est pas mon activité préférée, mais je me mets un podcast, je suis dans ma bulle, puis j'ai aucun problème avec ça, là. Mais mon chum, il y a rien qu'il déteste plus au monde, là. Puis je comprends pas pourquoi, mais il fait du lavage sans chialer, puis moi, ça me répugne. Fait, je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Right on time, we fell right into each other. Couldn't pull myself away and I know love.
situation didn't matter. It doesn't matter, does it, babe? Cette pièce-là, c'est l'enfer sur Terre. Là. Dès que je filme une vidéo, que je reçois 2-3 colis, ça ressemble à ça. Mais vous l'avez sûrement remarqué à ce point-ci, Tristan puis moi, on est très bordélique. Ça aurait été extrêmement bénéfique que l'un ou deux soit clean freak, mais c'est pas le cas. On fait de notre mieux de temps en temps. But I've always got this feeling in the back of my mind that you'll find someone else and then you'll leave me behind. Vous allez probablement rire de moi, mais ça fait des années que je me dis qu'il faut que je change mon forfait de cellulaire parce que je paye bien trop cher. Avant, je me consolais en me disant que j'avais des données limitées, mais là, je sors même plus de chez nous, ça vaut zéro la peine. Ça fait depuis ma vidéo de dépenses que je vous dis que je vais changer, mais c'est le genre de tâche d'adulte qui m'angoisse pérenne. Comme j'ai pas le goût de parler à un étranger puis d'essayer de négocier quelque chose que je connais pas pantoute, mais là, faut que ça se passe. En plus, aujourd'hui, je suis une adulte accomplie, une strong independent woman, fait qu'on y va. Oui, bonjour, en fait, ce serait pour annuler mon forfait de cellulaire. Félicitations et passez une belle journée. Merci, vous aussi. Bye bye. Pouvez-vous croire que cet appel-là a duré 5 minutes? Le gars était super gentil, j'ai même pas eu à négocier comme du tout, puis il a baissé mon forfait de plus de 30$. Ça fait 2 ans que je repousse cet appel-là, c'était super facile! Oh, l'anxiété des fois! Mais si vous étiez dans la même situation que moi, ceci est votre friendly reminder de le faire! Ça n'a pas de bon sens de payer trop cher! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je trippe sur MadFit, qui est une YouTubeuse fitness canadienne. J'aime surtout ces dance parties parce que ça dure 15 minutes, pas d'équipement, t'as vraiment pas l'impression de t'entraîner parce que tu fais juste danser sur de la musique populaire. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle en a sorti un Dua Lipa, fait que je m'embarque là-dessus. Prête pour la formation e-influence, je vais avoir le zoom d'ouvert sur mon ancien ordi, Final Cut d'ouvert sur mon nouveau pour pouvoir faire des tests, puis quelque chose pour prendre des notes. E-influence, si vous ne saviez pas, c'est une entreprise pour échanger, pour approfondir nos connaissances par rapport à tout ce qui concerne le marketing d'influence. J'ai participé à beaucoup de leurs conférences dans le passé parce que, vous savez, je connais bien Cindy et Lucie, mais depuis le début de la pandémie, ils font full de formations en ligne, ce que je trouve génial, puis je suis particulièrement excitée pour celle-là parce qu'on sait que Lucie, c'est la queen du montage. So scared you break my heart, I've never been a girl who gets paranoid, got feelings that I can't avoid. Pour souper, je vais faire le tartare de saumon à la pomme verte de Cookit. Ça a l'air super bon, puis étant donné que Tristan finit de travailler assez tard, je vais pouvoir le faire d'avance puis le laisser au frigo. Pour la vidéo, j'ai même mis la table. Chose qui arrive assez rarement parce que, justement, j'ai une petite question par rapport à ça. Okay? Je sais pas si je suis la seule dans la même situation, mais quand j'habitais en appartement avant avec des colocs, je me suis habituée à souvent manger dans ma chambre parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire, c'était tout petit, les filles avaient souvent du monde, puis j'avais comme besoin de ma petite bulle. Mais je me disais, quand je vais habiter avec mon chum, on va se faire des soupers en tête à tête à chaque soir, ça va être parfait, puis finalement c'est pas tout à fait ça qui arrive parce que on fait juste manger dans le salon. Ce qui me convient parfaitement là, parce que on chill, on se raconte nos journées, on est confortable, on écoute une série, whatever. Mais je me demande, si la transition s'est pas faite à ce moment-là, je sais pas quand est-ce qu'elle va se faire, parce que tu sais, j'ai jamais vu mes parents manger ailleurs qu'à une table. Fait, peut-être que c'est quand je vais avoir des enfants, comme je sais pas. Avouez que ça a l'air bon. C'est tellement con, mais je suis pas le genre de personne qui boit beaucoup. J'aime pas beaucoup l'alcool, ce qui fait que quand j'en bois, c'est pour me saouler. Je prends pas un petit verre de vin comme ça, fait que je me sens vraiment comme une grande personne en ce moment. Lou! Lou! Quelque chose que je fais définitivement pas assez souvent, qui me fait sentir comme une femme accomplie qui a besoin de se détendre, c'est prendre un bain. En fait, j'ai full des belles bombes de différentes couleurs, différentes odeurs. Si je vous avais en direct, je vous ferais choisir, mais là, je pense que je vais y aller pour la petite corail, qui m'inspire beaucoup.
Ici, j'ai tous mes plans pour ma fin de soirée parce que, comme je vous ai dit, j'ai comme objectif de m'éloigner des écrans, surtout mon cell. Si je pouvais ne pas y toucher pendant au moins une heure avant que je me couche, ce serait parfait parce que j'ai vraiment de la misère à m'endormir puis c'est sûr que ça aide pas. Fait qu'ici, j'ai mon journal à compléter, 5 heures de réflexion. Le livre, l'allégorie des truites arc-en-ciel, et ça, je suis vraiment pas fière. Comme vous le savez, je l'ai reçu pendant le soir de Noël, et j'ai justement commencé à le lire pendant le temps des fêtes, puis j'ai adoré, là. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai comme mis de côté, je l'ai oublié, fait que j'espère pouvoir le finir bientôt. Et finalement, mes crayons feutres, puis mon livre de calligraphie. Je suis pas encore très bonne, mais c'est tellement le fun à apprendre, c'est full relaxant, fait que... je vais faire ça, démaquiller puis me coucher pas trop tard, hopefully. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette petite journée, puis nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!